Pour la première fois, une voiture autonome a démontré qu'elle pouvait, en cas d'imprévu, se mettre elle-même en sécurité sur une zone de refuge. L'événement a eu lieu le 11 juillet 2019 sur les autoroutes A10 et A11 près de Paris, à l'initiative du groupe PSA et de Vinci Autoroutes. Aujourd'hui, on est les premiers à franchir des zones de travaux en maintenant un mode autonome et on est aussi les premiers à faire de la mise en sécurité sur des zones de refuge. Pour réaliser cette prouesse, le constructeur a pu accroître l'intelligence de son véhicule grâce aux informations fournies par l'infrastructure autoroutière. On a simulé le fait qu'il y avait un piéton sur la voie. Si jamais le conducteur ne reprenait pas la main, vu que j'ai un obstacle exceptionnel à venir, je vais devoir mettre le véhicule en sécurité. Ça, c'est vraiment une première mondiale en conditions réelles de circulation. On s'arrête sur une bande d'arrêt d'urgence, puis au fond d'un refuge. Donc on sait mettre le véhicule en sécurité par lui-même. Ça, c'est une première, en effet.